Donc, je m'appelle Joël Veil, je suis le nouveau maire de Reyers-Villers. En fait, bon voilà, j'ai 46 ans, j'ai trois enfants, des grands-enfants. Je suis infirmière, je suis infirmière libérale. Donc, de par mon métier, en fait, je traverse différents villages et en fait, je vois ce qui se fait dans d'autres villages par rapport au mien. Et donc, ça m'a donné envie d'embellir le village, ça m'a donné envie de faire des projets pour le village. J'étais déjà pas mal investie dans les associations du village et dans le nettoyage de l'église, dans les espaces verts de la commune. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir des idées pour faire des choses nouvelles. Proposer des choses par la vision d'une femme. Enfin, j'étais déjà 12 ans au conseil municipal et je m'occupais essentiellement des écoles. J'étais conseillère au niveau des écoles. Ce qui m'a un petit peu motivée pour être maire, c'était surtout de défendre l'école du village, puisque c'était un petit peu mon domaine. En fait, je trouve qu'un village sans école, c'est pas un village. Pourquoi pas? Je dis tout simplement pourquoi pas, et puis voilà, ça fait évoluer un petit peu les choses. J'ai été agréablement surprise de voir en fait beaucoup de femmes mères se présenter. Bon, en fait, je pense que beaucoup, beaucoup de gens, quand je me suis présentée et que j'ai annoncé que je me présentais, beaucoup de gens me disaient: mais comment tu vas faire, comment tu vas gérer ton temps? Parce qu'entre le travail d'infirmière libérale qui est quand même assez conséquent, que je ne pratique pas à temps plein, mes trois enfants, beaucoup d'engagement au niveau sportif, au niveau associatif. C'est vrai qu'en fait, je pense que tout est une question d'organisation. J'arrive à m'organiser dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, et puis bah, maintenant dans ma vie politique.